Vince Refait, surnommé l'homme volant, est mort en début de semaine lors d'un entraînement à Dubaï. On ignore tout pour le moment de l'accident qui s'est produit sur la base Jetman, située en plein désert, à une soixantaine de kilomètres à l'est de la ville. Une enquête est en cours. Âgé de 36 ans, le Français né à Annecy était l'auteur d'exploits sportifs spectaculaires, repoussant sans cesse ses limites. C'est une bataille mentale entre ce que tu veux faire et ce que ton cerveau ne veut pas te faire faire. C'est lui qui s'était élancé de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa à Dubaï. C'est encore lui qui était entré en wingsuit dans un avion en plein vol au-dessus des Alpes. Et c'est toujours lui qui avait volé à côté d'un A380. Équipé d'une aile propulsée par 4 mini-réacteurs, Vince Refait avait aussi atteint les 1800 mètres d'altitude il y a peu de temps, un record mondial. Amateur de sensations fortes, cet ancien membre de l'équipe de France de parachutisme laisse derrière lui son acolyte de toujours, Fred Fugen.